This is one of historical places in London, and we are presently at the Waterloo Bridge, a famous place. And this is a beginning with a serum, where we are going to show you many places here in the UK. Starting with London, and like I said, today we are at the Waterloo Bridge. Nous sommes ici sur le pont Waterloo, un endroit bien connu pour sa représentation. Ici, c'est un endroit symbolique en rapport avec la guerre de Waterloo, qui a vu Napoléon être défait par l'armée anglaise après 2 siècles de combat entre la France et l'Angleterre. Voilà, Waterloo Bridge ou le pont de Waterloo. This is Trafalgar Square with Nelson Column. This monument has been built to commemorate the decisive victory of Admiral Nelson over the combined war, French and Spanish Navy at the Trafalgar Square battle. And you should remember that Nelson has lost his life during that battle. Voilà, nous nous trouvons ici Trafalgar Square, dans le plein centre de Londres, dans la cité de Westminster, un endroit symbolique pour célébrer la victoire de l'armée navale britannique contre l'armée ou la coalition navale française et espagnole au cours de la bataille de Trafalgar. Voilà ce monument qui est érigé en mémoire du vice-amiral Nelson, qui du reste a perdu sa vie au cours de cette fameuse bataille de Trafalgar. Voilà, très symbolique, dans le plein centre de Londres, où touristes et même britanniques se bousculent pour venir visiter. Car, comme je l'ai dit, c'est l'un des endroits les plus symboliques, qui symbolise également et toujours et pour la prospérité, la victoire de l'armée navale britannique contre la France de Napoléon et l'Espagne. Voilà. This is Piccadilly Circus, well known for its neo signs and different displays
It's now one of the top landmarks of the city. It's a combination of six roads which came together at this place. Piccadilly Circus offers different cinemas, theater, restaurants, including the traditional English. You can see the different displays. Voilà, nous nous trouvons à notre troisième endroit. Il s'agit de Piccadilly Circus. Le point central et névralgique de cette ville de Londres. Il s'agit de la combinaison des six avenues ou routes qui viennent faire jonction ici. L'endroit est parmi les tops, mieux connu pour ses différents displays, mais également les signes néon. Voilà, Piccadilly Circus. Je laisse donc découvrir l'ambiance qui règne à cet endroit. Comme je l'ai dit, c'est Piccadilly Circus. C'est la grande place de Londres, le centre, le point central et névralgique de la ville. Je vous laisse découvrir ce spectacle qui est offert gratuitement au public, auquel je vous convie. Restaurant, hotel. This is the most icon hotel in Europe. Voilà. Voici un autre bâtiment imposant. Il s'agit du fameux hôtel Ritz, qui est mondialement connu et qui donne juste sur le fameux parc royal de Green Park. Voilà, c'est sûr. Thank you.
Mrs. Oxford Street, the European most shopping street. It has around 300 shops, the famous one, and it's welcomed around 200 million people each year here in London, England, Oxford Street. Voilà un autre endroit prestigieux et très symbolique de Londres. Il s'agit de la fameuse avenue Oxford Street. Elle regorge plus de 300 shops, les meilleurs du monde. Elle attire plus de 200 millions de visiteurs par an. Elle est considérée comme la première avenue européenne en termes de commerce. On dirait beaucoup plus la première avenue marchande d'Europe. Elle est également considérée comme la première avenue commerciale au monde par rapport à sa longueur, 2,5 km du bout à bout. Oxford Street à Londres. La première avenue commerçante en Europe. Voilà, l'avenue Oxford Street à Londres. Yeah. We're still here, London, Oxford Street.